Bonjour, je vous retrouve pour la présentation d'un livre pour le moins original. On peut le voir, le livre, entre guillemets, est assez bien fini, hein. Il présente quand même bien, même si on se dit assez vite qu'est-ce que c'est. Presque l'impression de vision qu'il y a des pages. Il est livré avec un câble USB micro USB. Ce qui donne donc lui avancer que ce n'est pas un livre. Et effectivement, alors, il faut un peu de force, on a du mal à l'ouvrir à une main. Si, regardez. Voilà, c'est tout simplement magnifique, puisque c'est une lampe et non pas un livre. Et elle peut se mettre à 360 degrés, d'une manière assez simple. Je pose l'appareil. Et regardez, tout simplement, ça va venir s'aimanter. Hop! Et comme ça, on a une lampe circulaire à 360 degrés. Et du coup, j'ai pris un autre livre à côté. Là, j'éteins la lumière. Et on peut voir qu'on peut lire à côté. Mais alors, par contre, il va falloir quand même être juste à côté du livre. Sinon, on aura quand même du mal dès qu'on s'éloigne un peu. On va perdre en luminosité, ça va devenir un peu juste. Donc, il faudra quand même être à proximité de la lampe pour pouvoir profiter au niveau lecture. Par contre, du coup, c'est quand même très original. Ça fait une lampe, voilà, qu'on trouve pas ailleurs. On peut la poser tout simplement comme ça, ou bien encore la replier pour que ça éclaire un peu moins. Hein. Voilà, on peut la laisser comme ça poser pour faire une petite lumière d'ambiance. Alors, on va pas le voir là, mais c'est alimenté. Alors, je sais pas si on peut peut-être le voir. Non. On verra pas, c'est un peu trop subtil. Si, on voit peut-être des fils. Enfin, il y a trois LED a priori. J'ai cru en voir trois sur les côtés. Et ça se recharge donc avec le câble USB micro USB. On tient 12 heures, mais alors la lumière s'amenuise petit à petit. Ce qui fait qu'elle éclaire vraiment fortement 5-6 heures. Et puis après, elle va commencer à décliner tout doucement jusqu'à s'éteindre vraiment. Mais du coup, au bout de 12 heures, la lumière est vraiment très très faible. Hein. Et la recharge est très très longue. Là, je suis à combien? Je suis à 2h30 et c'est pas encore chargé. Donc voilà ce qu'on peut dire. La charge, en fait, c'est assez simple. Hein. Il y a un port micro USB qui est sur le côté. Voilà, on voit mieux là. Et ce port micro USB, il y a une LED à côté, la LED est orange quand ça charge et elle passe en bleu quand c'est chargé. Et évidemment, quand le livre se ferme, il y a un petit bouton pressoir en fait qui fait que la lumière s'éteint. Donc voilà, vraiment une lumière très très originelle. Merci pour votre attention et bonne lecture au sens propre et figuré du coup avec ce livre-lampe vraiment très original. C'est un petit coup de cœur. Si, quand même un petit défaut avant de vous dire au revoir, c'est que bah là, comme on peut le voir, on n'a pas forcément accès à la batterie. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop où elle est parce que c'est assez bien fait. Alors, je ne sais pas si elle est dans l'épaisseur parce que c'est quand même assez fin là. Donc je ne sais pas du tout où elle est cachée cette batterie. Mais en tout cas, on n'y a pas accès naturellement. Donc quand ça sera au bout de quelques temps, alors une batterie ça dure assez longtemps quand même, mais bon, à mon avis dans 3-4 ans, c'est poubelle. C'est le seul point négatif de cette lampe, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots. Merci pour votre attention et à une prochaine. Bye bye.